Salut les gens, c'est Tardarin. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 3 avec Katox, Weirdmec et Atemir. Bonsoir tout le monde. Et salut. Bon. Et donc là, on allait s'apprêter à aller casser un monstre. Deux en vérité. Deux, ils sont deux. Deux même. Et je vous rappelle que j'ai une créature invisible pour aller. Non, mais ta créature elle fait deux dommages alors je t'avoue que. Oui, mais elle est invisible et elle peut se mettre derrière et faire peur. Putain, il a failli me voir. Allez, en avant. C'est genre là. Le truc qui ressemble à un espèce de démon sorti des quatre enfers, un truc qui s'appelle le déchireur et tu veux lui faire peur. Mélange entre un dodo et. Ah oh oh. Bah, elle attaque, hein. Putain, il m'a pas vu encore. Bah, écoute, il est en combat donc fais-toi plaisir. Tape-le avec ta bestiole. Ta bestiole. Ouais, lui faire frayeur. Par contre, faut peut-être que tu te places, toi, parce que ça va peut-être te mettre en combat. Et voilà, il est effrayé. Vraiment, tu m'expliques comment t'as fait. Est-ce que bah, je suis un génie. Puis c'est tout. Eh hey, merde. Bon, alors, d'accord, il faut savoir on que la créature n'a pas d'yeux, mais elle voit quand même. Hein. Ok. Ah. Et elle n'a aucune résistance. Oh. Comment ça, Critical 10? Attendez, elle est là. Je me tâte. Moi, je pense que je viens de lui faire un échec critique sur le jet de tapage. Ça me tristitude. Ça te tristitude. Ça me tristitude. Ça te tristitionne. Oh là là, mais deux misses dans le même tour quoi. Mais wow. Les dés ne sont pas avec toi. Ah ouais. Attends, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on peut mettre ça. Ah, toi aussi, t'as fait un. Mais tu veux pas venir au cac toi? Mais j'ai mes petites jambes, mec! Mais faut sauter! Bah non, je vais me casser la gueule et je vais perdre des PV. Voilà, là je peux venir. Espèce de Gatling de coup qui vient de se prendre. Attends, lui tape pas dessus, mais. Oh purée! C'est bon, il reste un PV, je vais laisser. Ça, c'est un Alpha pour Ardaz. Ah, c'est ça. Ah, mais tu peux. Ah, mais un ancien symbole, on va pouvoir se TP, c'est bien. Ah, oui. Il y a une autre bestiole, hein, si tu veux. Où ça? Je suis la nuit. Au-dessus. Je suis la nuit. Je suis. Batman, j'ai plus de zone. Moi, je suis prêt à l'attaquer, hein. Alors, attendez, parce que moi, pas je vois des. Oula. Grosse bestiole. Ah, ouais, là-dessus. Je vois un bout de griffe. J'arrive pas à bouger la caméra. C'est quoi cette merde? J'ai un truc qui. Ouais, en haut, il y a l'air d'avoir un sabot. Ah, il y a une autre fleur de sucre, tiens. Il y a le même gars en haut, on va se faire le même gars en haut. Ouais. Je commencerai bien par celui qui est là. Lequel en bas ou en haut? Celui qui est en haut là, qui est dans. Ou celui qui est là? J'arrive pas à monter. Parce que. Attendez. Ok. Juste. Il y en a un ici, en bas. Ouais. Et là, en haut. Il y a un mec en plus, il y a un PQ en plus de la créature. Il y a ouais. Trois. Eh non, attendez, il y a trois créatures. Hein. Ouais, il y en a trois, ouais. Il y a trois créatures plus le PQ. Ah oui, il y a trois créatures. Je peux tester un truc sur le gars d'en haut. Il y a 55% de chance que ça passe, mais ça peut être drôle. Vas-y, tente. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Je sais pas, je vais voir si ça fonctionne. Bah, elle le pousse pas, hein, il y a peut-être du loot. C'est pas mon genre. Oh non. Oh si. Oh, il a survécu. Wow. Ah. Donc bah la bagarre avec lui alors. Bah wow, ouais. Attends, tu fais la bagarre avec tout le monde là ou avec juste lui? Et juste lui. Ah bah on va sur celui d'en haut alors. Non, putain, ça on va peut-être le laisser descendre. On va mettre Milan hein, pour t'arrêter. Bah avec. Non ouais, on va le laisser descendre, laissez-le descendre. Oh non, ça va venir en combat. Ah voilà, mais c'est pas mal. Laissez-le descendre. Moi j'attends. Ah oui, mais je termine. Le gameplay prêtre. Prêtre juge. Bah. Il n'est pas descendu. Ah mais non, il est surpris. Non, il est surpris. Alors, retape-le. C'est con, j'aurais pu l'abattre. Bah, abusez-vous bien, moi je regarde. Je l'ai insulté à la mort. Par contre, je sais pas voir où il va descendre, j'espère que ça va être là où je suis.
Et ta bestiole, tu peux pas le faire taper? Oula! Oh! Oh oui! Mais comment ça? Putain, le vient de t'éclater, quoi! C'est génial! Allez, reviens à la Katox, là, reviens à la vie de ce monde. Je vais même pas me barrer. Bon. On appelle ça une patate, quoi. Ah ouais, la patate. Patate de fort, hein. Je peux même pas me barrer, quoi. Heureusement que t'as vu, les 5 PV supplémentaires, ça a évité que tu sois... Ah non, c'est parce que t'as un truc qui te permet de rester à un PV? Bah non, c'est parce qu'on m'a relevé. Ah. Donc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, les gars. T'as tout ça pour un crochet. Moi, je lui ai mis un coup de martel et il a pas aimé. Hein. Je fais une petite cure. Ça aurait pu les jeter par terre pour me heal aussi. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Bon, ça va, t'as 20. Monsieur, j'ai perdu 4 PV. Non, mais. Sur le combat d'avant, hein, parce que. Ouais, ça, moi, je me suis fait OS, quoi. Genre, tu fais de la nuit là-haut? Allez, je vais aller récupérer la suite. On fait quoi? On fait le dernier gars qui est par terre. Ah, j'arrive. Bah, tu peux lui sauter dessus pour le gars qui est en bas? Il semblerait. C'est pas grave, j'attends. J'arrive. Il appelle des renforts là, qu'est-ce qu'il fait? J'ai peur. Health. We're attracting too much attention. Ah, mais je peux descendre. Hop là. Oh. Vous êtes en bagarre avec qui? Non. T'es en bagarre avec lequel, les deux? Juste celui du bas. Juste celui du bas. Ah, je sais pas ce qu'il a pris en critique, mais. Oh là 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 là. Il a pris ma boule de feu en critique. Ah ouais, trait de feu ou la boule de feu? Trait de feu. Tu m'as fait peur. Oui, je veux pas gaspiller des sortilèges contre des machins comme ça alors qu'on le déboîte. C'est vrai que. Pas aimé la blague. Bon, j'ai récolté les fleurs de susurro que j'ai croisées. Y'a un gars là-bas, Finrol oublié niveau 5. Attends, on va peut-être. Je vais essayer de prendre la hauteur moi. Moi je suis en hauteur là et j'ai un bon 94% là sur l'horreur crochu qui est là-bas. Attendez, bah moi je vais essayer d'aller déjà au cac le plus possible de lui. Exactement. Okay. Parce que j'en ai un peu ras le cul de. Là ça fait deux fights où je regarde et je suis en train de manger des popcorn donc. Si je pouvais participer, ça me ferait plaisir. Bah, tu entames le fight en sautant dessus avec ton truc qui fait des dégâts pour une fois que ça peut être utile. Mais putain! Ah, la discrétion des mages de guerre. Donc, Filro, faut le buter aussi. Ouais. Oh, attends, missile magique. Missile magique. Attends, mec, je vais sauter justement. Bah, je me suis juste rapproché. Ouais. Je tape la créature. Super, je ne peux taper personne. Let's go. Ah si, je peux. Attendez. Alors tiens, pendant que je suis là et que l'autre il est mort le filro. Il est mort le filro. Ah bah, en tout cas, il fait très bien ça. Après, entre ton missile magique et son Thunder Wave, ouais, ça me fait plaisir. Ah, c'était marrant. Raté. Voilà, c'est XP facile ça. Est-ce qu'on avait activé l'ancien cercle de symboles ou pas? Oh oui, on passe en devant. Ah, y'a un gnome là, tu peux le faire parler. Où ça? Bah juste en dessous du cadavre, y'a un gnome à moitié dévoré, peut-être qu'il y a moyen de le faire parler. Je peux essayer de le faire parler, oui. Ah, tu t'en charges? Ok, vas-y. Allez, j'arrive pas à signer.
Non, le gnome à moitié mangé, je peux pas le cibler. Hein. Attends, attends. Si, moyen, mais... Ah, il y a rien à dire. Oh, c'est naze. Ah, par contre, Filroy a des trucs à dire, mais je ne sais pas si en l'ayant bousillé, tu peux me déguiser. Non, par contre, je peux te filer le truc pour te déguiser. Ouais. C'est un casque, faut que tu l'équipes et après t'as le sort. Ah oui, je l'ai aussi dans mon. Alors, je vais ressembler à quoi? Tu déguises pas en un, ça serait quoi? Tu peux me le rendre et tu resteras déguisé. Ah, peut-être barrez-vous parce que si vous êtes autour, il va peut-être se douter qu'il y a combien. On regarde ailleurs. La 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 la. Oh! Non, je croyais que c'était un monsieur, mais en fait, je suis une madame. C'est pas grave. Ah, je suis pas mal, hein, entre aux femelles. The corpse regards you lifelessly. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qui est ce dourne dont parlent vos notes? Ok, let's go. Zargrim, three seek adamantine. Tiens, Arda. Ah, c'est pas l'autre gars qu'on a fait parler là? Ah oui, effectivement. Eh ben, l'autre gars qu'on avait fait parler, il peut aussi parler de la se forge. Où est-elle cette forge, Arda? Ouais. Sur toi, je t'ai foutu un bouquin orange. Tu le lis. D'accord. Il y a un test à faire, mais c'est l'investigation d'une vraie forme. L'investigation, moi j'ai de. Non, t'as pas. Je sais pas, pour l'instant, je suis en train de regarder le dialogue. Bon, il en s'en serait pas douté vu son nom. Ouais, c'est bon. Ça, c'est le genre de monstre qu'il va falloir affronter à grands coups de. Ouais, c'est Terminator 1 quoi. Il va faire aussi un coup de pouce en l'air quand tu vas cramer. C'est ça. D'accord, lui il a bouffé du gnome, c'est sympa ça. Vraiment une autre culture. Ouais. You can ask no more questions. Alors du coup, le bouquin. Les notes gribouillées, c'est ça? Ouais, et je veux bien mon casque. Ouais, je te rends mon casque. Trouver des patates. C'est vrai que je pourrais récupérer celui qui est dans mes affaires. Hein. Ouais, c'est pour ça que je l'ai, parce que ça peut s'en servir. C'est vrai que j'avais pas pensé. Bah attendez, carte est décès en dessous, arborant de multiples croix, les émotions sont effacées dessus. Je vais le chercher le temps que. Et bah, moi j'ai pas eu de jet. Attends, on a une quête là, c'est quoi? Ah ouais? Ouais, dommage. Ouais. Là. Quand il y a des trucs à lire, les lisez pas vous-même, hein. Bah, je pensais que c'était juste un bouquin comme le reste, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas te faire lire tous les livres non plus, si tu veux. Si. Ah, moi je peux savoir ce qu'il y a dedans aussi, en fait, t'es gentil. Mais... Une quête qui nous disait de terminer l'arme de maître, prélever l'écorce de Susurro. Ouais, alors moi je sais où c'est. Je viens de la récupérer. Oh, allez, ça pareil. Je veux bien qu'on fasse l'arme à deux mains pour le truc de Susurro, ça permet de silencer les casters, c'est bien. Ouais, mais il arrête pas de se taper toutes les bonnes armes, le marteau qui fait du truc, l'épée à deux mains qui fait des flammes, le machin truc, et moi... C'est situationnel, hein. Après, ah, attends. J'ai pas... Dis le gars avec Excalibur, hein. Ah ouais, c'est vrai. Le mec, il s'est sorti une épée d'un caillou, là. Ouais, j'avoue. Mais on a tous des bonnes armes, on va pas déconner. Bien, par où va-t-on maintenant? Bah, on peut continuer de descendre, alors, descendons. Descendre. À travers les gouffres. Exactement. Ça a l'air très ouvert comme zone. Pour une caverne, c'est une grosse caverne quoi. Non mais là devant nous, là, ça a l'air très ouvert. De l'Underdark aussi. J'ai compris.
Voilà, merci. je vois pas de mob, mais il y a du sang plus loin, je t'avoue, je suis pas rassuré. Est-ce que tu veux que je fasse l'appât? Ah bah tiens, il y a un truc pour Arda. Ouais. Ah ouais, il y a un truc pour moi? Ah, survival failed. Et bah il y a une pierre tombale, va pas me dire que le gars il sait pas qu'il faut creuser là. C'est signé, il y a une pierre tombale. D'office, il faut creuser là. Foutez pas de ma gueule. Ah, oh, damn it. Mais ils sont sérieux, c'est le premier truc à faire quand tu vois une... La pelle. La sainte pelle. Et du coup, oui, on a vu un... Ah, il y a un coffre en bois. Forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna. T'es en communication, Katox. Je parle à la pierre. L'élixir d'héroïsme, est-ce que ça t'aurait de gagner 10 PV et de devenir blessé? Ah, moi je suis chaud, mais je veux surtout qu'on mine cette tombe. Ça a l'air vachement bien. Où ça, quoi? Ok. Il est en train de se... Je suis pas le nécromancien. Aujourd'hui, on va faire un unboxing. Un grand chien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déterré un chien. Definitely magic, though I want. Ok. Qu'est-ce que t'as récupéré? On va voir si on peut filer ça au Dogo. Bah oui. Bon, c'est tout. Tu m'as fait sauvegarder pour ça. Mais il avait. J'en sais. Attends, il y a. Ok, bon. Ah, j'avais pas trouvé ça moi. Ça va être pour moi ça. Oh, un squelette. Bah alors allez, les gars, j'étais en train de regarder un truc, je me retourne, vous êtes déjà parti à l'autre bout. Ah oui, mais voilà, et ça tu vois, c'est mon quotidien avec vous. Ah. Mais il y a du loot. Ah, il y a un myconite mort. Vous êtes au courant, hein, qu'on joue ensemble, donc les loots ça sera pour partager avec tout le monde, hein. Ouais, ouais, ah bah moi de toute façon les loots c'est soit c'est pour vous et je vous les donne, soit c'est des trucs pour Arda, soit... Faut qu'on aille plus au sud je pense maintenant, on a fini la partie... On aille... T'as eu par village décrépit. T'as plus d'objets genre verts que moi. Bah hey, regarde. Tout ton stuff, il est... Bah c'est comme tout le... Alors regarde, moi mon arme c'est une arme toute nulle, une arme de base, une arme de pecno. Mais de quelle arme tu parles? Mon arbalète. Mais moi je m'en sers pas, je te la donne mon arbalète si tu veux, je m'en fous. Non, t'as une arbalète de merde. Mais bon, ça c'est la seule arbalète courte qu'on a trouvé. Putain mais quel nain. Mais quel nain. Exactement. Bon, moi je vous propose d'aller au sud, il y a des quêtes au sud. Moi j'avance, moi. Alors, perception ratée. Il y a de la perception ratée là. Ah! Attends, j'arrive. Oh purée, Cadence qui sont encore barrés. J'ai trouvé un nain noir. Je l'attaque? Qu'est-ce que je fais? J'avoine? Qu'est-ce que je fais? J'avoine? Mais est-ce qu'on est tous réunis déjà? Ah, mais tu lui parles? Bah oui. Allez, lève les mains en signe de paix. Et ensuite on l'avoine. Bah il a un symbole de l'absolu. J'adore. Oui, d'abord on discute, on voit ce qui se passe, on soutire des informations et ensuite on les bute. Bah j'adore voir Atemir passer en arrière-plan. C'est pas le seul, toi aussi t'arrives aussi. Bah, dans le doute, s'il y a combat, je préfère être à côté, je t'avoue. Je me mets derrière lui, en fufu. Allez, comme ça, let's go. Parfait, alors je vais discuter. Non, c'est faux, on l'attaque. Oh. Tu te fais celui qui est à côté de toi. Ouais, attends. Est-ce que tu peux te déplacer, Katox? Parce que je peux pas passer dans la porte là. Tu coinces la porte. Si voilà. Super. C'est quel qui est surpris là? Ah, c'est lui qui est surpris. Peut-être que je vais m'occuper de. Voilà, ils sont résistants au poison. Mais c'est des nains. C'est... Ouais. Sale race. Pourquoi je peux passer mon tour, moi? Peut-être parce que tu as surpris... Ah non, c'est...
Ah, il y en a un troisième. Genre, alors, j'ai rien. Et parce que tu peux retaper là. Non, c'est mon action bonus en fait qui reste, c'est pour ça. Ah, ça c'est bien wesh ça. Attends, mais ils sont où les mobs là? Bah, il y en a plus que deux. Non, il y en a trois encore. Il y en a trois? Il est pas mort le premier? Bah, ils étaient quatre en fait. Alors. Can't slow down. Ma foi, j'ai envie de dire. Et pourquoi? Il est vraiment mauvais, hein. Pourquoi vous poussez pas dans le vide? Ah, parce que j'ai déjà fait une action bonus pour venir jusque là, donc je ne pouvais pas. J'ai sauté pour. Ah! Oh bah c'est pas grave. Ah, c'est un peu plus chiant. Enfin. Pourquoi t'es si loin toi? Parce que moi j'ai fait des attaques à distance. Mais je suis. Ah, la défense, le mec qui reste 7 PV là. En théorie, si c'est lui qui les a invoqués, ça va pas durer longtemps. Ouais, faut tuer lui là. Gek Cole. Gek Charbon. C'est un échec. Ça. C'est pas la bonne théorie. Pas du tout buté. C'est quoi la fortitude des morts là? Ah ouais? Bah ouais. Bah c'est un vrai combat hein, du coup. Bah c'est génial parce que sinon on se faisait chier quand même. Oh, c'est des morts vivants? Ouais. Mais viens à côté de toi en plus. Viens sentinelle. Dégage. Alors. Tu te fais celui qui est à côté de toi ou pas? Merde, j'ai plus de dignité. Bah. Let's go, j'arrive. Ah ouais, comme ça je vais me taper celui qui est en bas. Pourquoi il se sauvegarde? Oh mais oui. Non. Putain, j'ai tapé mon arme sur les tuiles, quel con. Je pense que j'ai pas de ligne de mire là pour avoir critique, un point de dégâts. Je t'envoie une arme que j'ai loot sur le gars. À qui? À toi. C'est quoi? J'envoie des parchemins à Arda. Est-ce que tu peux passer ton tour? Ah oui, c'est vrai. J'étais en train de faire mon inventaire parce que j'étais encombré. Tu lootes pendant un combat, c'est du propre. Et c'est quoi l'arme que tu m'as filée? Je la vois même pas. Mais non, pas à toi. Mais non, mais c'est... Ah. Je me disais, quoi. Bon, vous le terminez ce coup-ci? Oh, non, ouais, y'a un truc. Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est pareil, c'est situationnel, ça marche. Je sais déjà dans quelle zone je vais l'utiliser d'ailleurs. Hop là. Par contre, je comprends pas pourquoi je galère autant à toucher avec mon perso. Je
C'est pas très intéressant à looter le secteur. Hein. Ils sont chelous les bateaux qui sont là-dessus, on dirait des chaussures. What creatures live in waters this dark? Attendez, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Là, en tant que chromatique ou pas? Oui. Mais vas-y, on voit quand même. Oui, il y a 4. Ah, il y avait un point, un ancien cercle de symboles. Qu'est-ce qu'on fait? On continue d'explorer ce coin-ci et puis on prend le bateau? Bah, on va continuer d'explorer. Alors... et on prendra le bateau après. Ouais. Non, il sait de, il sait de quoi ça s'agit. Ouais, 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 ouais. J'ai trouvé des trous. Les livres, pourquoi vous les prenez pas? Ça se vend. Mais j'arrive. Ah bon, on m'a dit je pouvais plus les lire, alors je les lis plus. Ah. Hein, je les ramasse plus du coup. Hein. Mais tu m'as pas laissé le temps. Bah, ils sont par terre, ils étaient partis. Alors, y a pas de question, tu t'es pas laissé le temps. Tu t'es barré sans les lire. Moi, je prends les bouquins qui sont juste des trucs de. Trouver des trous qui sentent la viande pourrie. Attends, vas-y, je te l'envoie. C'est juste qu'après on pourra les vendre. On va faire un test, on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne ça pas. Tu veux faire quoi? The tunnels were created deliberately, but whether by tools or claws, you cannot say. Les trucs qui sentent la viande pourrie là? Oh, d'ailleurs des créatures. Attends là. Non, j'ai pas envie de mettre la main dedans, merci, mais non. Je laisse ça à quelqu'un d'autre. Ah bah y'a des compos. Hein. Oh. Ah. Eh, oh là. Mais t'es où? Juste au-dessus, les trous, c'est juste au-dessus de toi. Je suis en train d'explorer. Comment là. Je fais pour le sort? Ah! Paf! Merde! Nothing but rocks. Bah, enfin. C'est quoi? On va jumper. A bone. Et pas des boîtes. Dry and brittle. Ah, je pensais que lui tirer dessus avec une flèche allait le faire descendre, mais. Quoi? Ah bah, let's go, des flèches. Hop là, et voilà. Un collier en or. Ah là, la cuisse, ça peut être bien ça. Hop là. C'est vrai qu'il faut que je reprenne la vie. Un truc fait du bruit, non? C'est moi qui me suis mis guidance pour. Je sais pas, j'entends une espèce trucs... de musique. Au-dessus, il y a des trucs, il y a des champis là. Qui joue tambour de gay. Very well. Ah, y a un trou là. Bah oui, c'est ça ce que je dis. Ah, y'a 3 même, 4, oula, y'en a plein. TV. Ah! The wall is riddled with holes. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? J'inspecte les trous, je suis un spécialiste. 16 naturel, ça passe. You recognize the odor. The foul scent of carrion crawlers, centipede-like aberrations that feast on the dead. At one time, these caverns must have been their banquet hall. The creatures are either long gone or waiting patiently in the darkness. Mm-hmm. Ah, the passage narrows and bends, becoming impassable before you're even elbow deep. Ah, et si je me dis qu'ils sont tout petits, peut-être. Ah, ouais. Je vais essayer de me dire qu'ils sont tout petits. Là. Paf. Non. Ah bah tiens, short. Je peux aller dedans. The passage narrows and bends. Your shoulder deep when your fingers brush against a fleshy tentacle. Ah, dégage. But the tentacle is limp and cold.
You push it aside and retrieve something loose lying beneath. Un 9 encore. Oh, j'ai pas une topaze. Ah là là. Ah, allez, ça c'est du bon caillou. Allez, let's go, on essaye un autre. Oh. Bon, je veux dire tout ça pour ça. Allez, 60 PO, mec. 60. Oh, cassé où ? Putain, pardon. J'avais rien vu. On a rien vu. Non, ça c'est sûr qu'on a rien vu. Là-bas, j'ai des cadavres. Oh, il y a des champignons aussi. Ah, c'est la bait de tout à l'heure. Ah, bah attends, tu penses qu'on peut miner ? Miner quoi ? Faut creuser ? Ah, bah c'est pas le dernier draw, il y a un dernier draw là. Raté ton jet de médecine. Qui veut faire parler le draw mort ? J'arrive. Potion d'invisibilité, c'est intéressant. Ah oui, je peux lui parler en plus. Si tous les compos d'alchimie, tu peux me les balancer. Et je fais que ça. Ah, génial. Tout à l'heure, je peux te dire que je les ai tous filés. Hein. Alors. Ragoût de champignons, ça aller, tu peux venir là où je suis, Arda. Je vais essayer de. J'ai fait il y a eu un jet d'investigation là où j'étais. Donc. On est en train de causer avec le mort. Ah, c'est parce qu'il y a des champignons. Pas, okay. Ouch. Worked alone. Better that way. House Vendry, Farscout, searching. Quick path to surface. Et donc, où est-ce que c'était qu'il y avait un. Non, c'est bon, j'y suis allé. T'y allais ? Ah, si, faut que tu viennes là où je suis, il y a des investigations là. Faut que je te retrouve, parce que où est-ce que t'es caché ? Bah, en gros, c'est ces champis là, vous pouvez monter dessus en sautant. Pour venir là où je suis. Ah, faut faire le champi qui est bleu là où t'es. Ensuite faut aller là. Et ensuite faut aller là. Et après c'est là où faut aller. Trop, ouais. Je peux pas y aller. Bah dommage. Je pourrais me faire une petite poulie brumeuse. Tiens, je t'envoie un bouquin si tu veux, Arda. C'est un truc de quête. Okay. Parce que là j'ai un espèce de cercle de champignons, ça a l'air assez mana-like. Effectivement. Après, Donc j'ai pas trop envie de mettre mes pieds dedans, je vous avoue. En tout cas, je sais pas, je viens de dropper plein de cristaux sylvains, je les ai envoyés. C'est génial, je ne peux pas faire de. Voilà, il y a un truc de champi là, je sais pas trop ce que c'est. Mais... Ouais, mais le truc c'est que. Enfin, j'essaie. Ah mais il a pas assez de force pour sauter. Tu peux pas l'envoyer toi avec tes 21 de force, tu peux pas le lancer? Ah si, je peux essayer. Attends, je bouge pour que j'arrive. Ah si, c'est bon, là tu peux là. Ah là, ça commence à devenir trop haut. Tu peux aller là. T'as pas une potion de jump ou un truc comme ça? Attends, je suis sûr que j'en ai pas une qui traîne. Attends, vas-y, je vais essayer de te lancer, si je peux te lancer c'est trop marrant. Je dois pouvoir faire une potion de... Attends, je vais te glisser. Potion de bon glorieux. Attends, avant de faire la potion, ça se trouve, il peut te lancer. Ouais. Ah. Ça fait des dommages ou pas? J'ai une potion de vol, si tu veux. Comment je... Attends... Le truc, c'est que j'aurais pu utiliser une potion... un sort de... Ah oui, je peux pour... Ah bah voilà. Ah, mais ça fait des dommages, du coup. Non? T'es bon, tu peux monter ou tu veux de l'aide? Il est une gida Star Phoenix, ça sert à ça. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi t'es tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, mais c'était drôle. Attends, et tu peux le lancer plus haut? Bah, je peux, hein, s'il veut. Ça va tirer ou pas? Bah, vas-y, lance-moi. Mais par contre, ça me fait péter mes égides arcaniques, donc c'est un peu chiant. Essaye de le lancer là. Là, tu dois faire sauter, Arda. Ouais, voilà. Pour,
pourquoi tu tombes? C'est trop marrant. Et là, du coup, tu dois pouvoir sauter là où on est, non? Parce que y a ce cercle de caillasses là, de mushroom là. Vas-y, là, je te guide. Ça a l'air quand même mystique. Tu veux aller voir? Allô? Oui, deux secondes, je regarde s'il y a du loot, mais y'en a pas. Bon, non, bah, non, allez. Bah, j'ai déjà tout. Go sur le cercle de champignons. Voilà, l'explication réussie. J'en étais sûr que toi tu réussirais. Ah bah dites donc. Attendez, moi je remonte parce que y'a un truc. Ah, et du coup l'investigation c'est le mur là. Je viens de voir briller le mur. Oh. Katox, tu peux venir aussi, ouais. Bah écoutez, y'a un truc là. Ah, c'est ça ce mur qui... Oh. Il y a des pierres là pour voir là. Ouais, c'est tout. Quoi, on jump dedans? RTP, hop là. Je sais pas où nous sommes. On est. Tunnel envahi par la végétation. C'est pas le. Ah, mais putain. Mais si. On est. Si je regarde la carte, je sais où on est. On dirait qu'on est à la sorcière. Ouais, on est à la guenaude. Tu sais, à la guenaude, je t'avais dit qu'il y avait une espèce de porte chelou dans le fond de la guenaude et que je voulais passer par là. Mais en fait, t'arrives là. Et comment on fait pour ouvrir cette porte? Aucune idée. Bon bah... Très intéressant. Peut-être qu'il faut qu'elle soit vivante, la guenaude. Bah peut-être bien, peut-être que si t'as pas fait l'arc de la guenaude et que tu te TP ici, elle est pas contente. Ouais. C'est par où la sortie? Maintenant la question c'est par où la sortie? Et il y avait un mur, le mur de cailloux il est là. Je sais pas. Moi je saute là. Et bah c'était stylé ce truc. Bon bah. Ah le petit puzzle jump c'était... Ouais. Surtout le moment où j'ai jeté Arda, ça m'a beaucoup fait rire. On ne jette pas un magicien. Mais je t'ai pas jeté, je t'ai aidé est-ce à... Que... Attendez. Est-ce à que pour faire plaisir à mon complétionnisme aigu, on pourrait finir la zone juste au nord de nous, là? Attends, Non. Si tu veux... Tu veux être complétionniste aigu? Oui. Yeah. Qu'est-ce que vous foutez? Oui, mais c'est pour ça, je veux juste finir les trucs. C'est fou. Tu sais qu'il y a des champignons qui explosent par là. Hein. Ouais, je vois ça. Ah merde! T'as failli mourir. On va descendre après. Oui, c'est pour ça. Je pense pas que cette zone-là ait beaucoup de gens qui l'aient trouvée. Vous venez? Bah. Ça arrive. J'espère que je vais. Et ça t'amène quoi? Ah bah vous allez voir. Bah je l'ai trouvé, ça m'a fait beaucoup rire donc Bah, je suis loin moi. Oh faut que je vienne. C'est surtout pour faire juste la zone qui est au-dessus là qui nous ramène à l'avant-poste de ces luttes là. Comme ça après on aura fait cette partie là. C'est bien l'avant-poste de ces luttes et pas l'avant-poste de ces morts. Exactement. c'est plus que comme ça au moins ça c'est fait et après on a plus de questions. C'est bon il est arrivé, bah Mjolnir passe devant. Où ça? Je sais même pas où est-ce qu'on est. Eh ben vas-y. Moi je suis encore en haut en fait hein. Bah descends. Clique sur ça m'a TP mais sans me TP, ça me saoule. C'est pété. Non c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est des grenouilles. Ouais, c'est pour ça, bref, cette zone-là elle m'a fait beaucoup rigoler donc je vous laisse profiter. Mais qu'est-ce que c'est que cette. Bon, c'est moi qui dois lui reparler, je suppose. Oh là. Allez. On va balancer une fireball dans le tas. Non. Mais attends, ils sont gentils, ils vont peut-être vous donner des sous. Je reste en haut, hein, au cas où il y a besoin de balancer une fireball dans le tas. T'inquiète, je vais aller m'occuper du gars. Tu crois, si il y a fight, tu t'occupes de celui là-haut là. Blessed ball, genre blessed ball. Moi? Non. Ah non, tu balances une fireball, t'as dit Arda. Dans le tas, tu vas balancer une fireball? Bah, je vais aller m'occuper de celui là-haut alors. Ah, mais c'est pas des grenouilles, c'est des poissons.
beings of Kuatoa, former Mind Flayer slaves that manifest their gods through sheer belief. You! Our Lord of Murder demands sacrifice! You will be an offering for the great god Boal! Oh ouais. Tu vas devenir leur dieu, let's go. Oh ouais. Vas-y mon gars, bonus total 12-15 et faut 10. Allez, excusez-moi mais... Après c'est là que je vais faire un 1. Non ça va. Allez, 42. 28, allez boum, c'est bon. Je suis ton dieu, tu me donnes toutes tes richesses et ta femme. Not real. You sense a flicker of doubt. Brief. But enough. For an instant, the godly presence falters. No! Stop it! Let's go. Nancy, Sally. Let's go. Après, ça se trouve, le... You feel the presence waver. One moment a god of awesome power, the next... A common red cap. Ah, je les ai pas. Bollocks! Don't do anything hasty now. The fish folk got plenty of power. We can share. Blessed boar! What? Shut it, you! I'm talking to my chosen. Chosen got power. You want power, don't you? Allez! Oh, ça va être dur ça. Allez, do it, do it. Passe. C'est bon. C'est n'importe quoi. C'est un peu cliché quand même de devenir un dieu d'une civilisation primitive. Ouais, mais c'est tellement bien. Est-ce qu'on pourra quand même les massacrer après? Parce qu'ils ont pas l'air très... Non, tu massacres pas mon peuple. C'est mes élus. Mais non, pas eux. Et là, mais pourquoi tu leur tapes dessus? Ah bah... Mais qui est con? Mais qui est biais? C'est censé être un moine et... Non! Putain... La caméra elle a bougé... Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai tiré à côté... Oh oui. Ok, y'a qu'un seul mec à dézinguer, c'est ça? C'est le red cap? Ah c'est beau, ouais. Oh il se fait... Bolos. Allons! Allez! You've slain the pretender! We knew in our hearts the god Boal was false. But you, we see you. We know you by your true name, Maglumpa. What is to be your first commandment, O great god? Construisez-moi une armée. Continue comme avant. Qu'est-ce que je vais mettre? Annoncez au monde ma venue et construisez-moi une armée. Et pendant ce temps-là, Atémir est en train de looter toute la cave. Sur une armée de 10 000 poissons, mon gars. Waouh! Merveilleux! 10 000 poissons, qu'il a dit. Alors, j'avais pas eu d'être mort, mais ça fait beaucoup rire. C'est juste ça? Oh, il y a un coffre orné de. De dorure. Il y en a un que j'ai déjà loué. Ouais.
Ouais, c'est celui là. Ouais. Ah, il y a encore plein d'endroits. Oh, de la laculite. Let's move. Bah, je viens de machiner, y a rien dedans. Si je vais avoir besoin de toi, Kalax. Ah, J'ai trouvé un message en bouteille. Y a quoi là? Ah, moi? Allez, attends, fais gaffe. Voilà, adieu. Quoi, adieu? Je t'avais dit de faire gaffe en fait. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Il est où? Eh bah il a sauté, il a son... Voilà, il... Mais pourquoi on a pas tiré dessus avant? Bah parce que tu m'as pas laissé le temps. J'ai pas eu le temps de tirer dessus. Bon bah... Je t'ai vu arriver comme un toto, je me suis fait... Oh putain. Bah je sais pas, je t'ai vu là-bas, je me suis dit qu'il y avait pas de problème. Bah où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que vous êtes caché mais... là? Bah par contre, moi je me... Voilà, je vais me mettre là. Bah je sais pas où ils sont passés moi. Mais oui, bah non plus. Attends. Hop. Voilà. Et j'ai ma caméra qui déconne. C'est bon. Ouais, c'est vrai, c'est 10 qu'il faut faire. Ça devrait être bien. Où est-ce qu'ils sont pas? On est caché derrière le. Très loin. Il y a un coffre à lockpick et à désarmer. Ah bah j'ai fait un succès critique sur l'ouverture du coffre. Enfin encore un truc pas pour moi, mais c'est chiant. Eh, franchement j'aimerais bien juste dropper une armure qui est utile quoi une fois. Mais t'as pas le droit de porter des armures. Bah, ça. Tu l'as ramassé ou pas l'armure parce que je l'ai pas ramassé. Ah non moi j'ai pas... Bah si j'ai l'armure médium, je t'avoue j'y touche pas. Hein. C'est lourd, ça me sert à rien. À un moment donné, bon. On était en... Au-dessus de l'hôtel du faux dieu. Et je suis allé dans une petite zone secrète. Y'a un truc là. Attends, j'arrive. Ah mais non, mais c'est juste un pignifi. Ouais. Il me tue, c'est des marines en fait. Ils sont là. Ouha. Il faut vraiment marrer ce peuple poisson. C'est mon peuple maintenant. Voilà, c'est ton peuple, mais moi dans ma run, y a plus de peuple. Y a plus de peuple. On va dire qu'on a fait beaucoup de bâtonnets de poissons. C'est parce qu'ils sont c'est des poissons, c'est ça? Bravo. Ah bah le survivant. Tiens, Katox, bouge pas. Vous avez tout looté là, c'est bon? Vous avez fait la plage? Alors moi j'ai fait la plage, j'avais pas grand chose. Là où t'es, normalement y a des piécettes d'or. Ah non. J'ai fait la plage. Attends, bouge pas. Qui, moi? Oui, non, Katox. Je sais pas qui a parlé, mais Katox. Hop là. C'est bon. Non, c'est allez, je laisse le coffre. C'est de la merde. Ah bah, je sais pas, moi. J'étais terrible, mais je t'ai vu arriver en courant. Je me suis dit, bon, il a l'air d'avoir. Ah, il y a un bouquin. Ouais, je l'ai lu. Bon, il reste quoi, lui? Prendre. Bah, si tu veux. Y'a ça, tu vas au Katox, y'a là. Quoi? Bah là, okay. Là, tu peux le prendre. Voilà, là, j'ai là, pas là, vu, quoi j'ai là? Bah ici, là, y a un escalier pour monter là. Bah y'a aussi un escalier pour monter de l'autre côté. Tu peux lire les bouquins et après tu fais clic droit, pick up. Ah! Parce que cette merde. Oh, un truc avec des toits. Ça pue encore l'araignée, ton histoire. Non, par contre, vous êtes cachés où les deux autres là? Bah on est ressorti. Vous êtes ressorti. Ouais, il était marrant ce passage quand même, non? Bah j'ai maintenant un peuple et une armée d'hommes poissons. Ouais, il avait... Ouais, franchement, je sais plus par quel miracle je me suis retrouvé dans ce coin-là, et j'étais là, ah, trop bien! Et ça m'a fait tellement rire le coup des poissons... que je voulais vous faire partager ce grand moment, je trouve, de BG3. Et je pense vraiment pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le trouvent, parce que le truc il est tellement bien caché. Il y a une araignée par là. Mais ils veulent vraiment pas nous attendre les deux corneaux là. Mais en fait on attend plus que toi là.
Il y a que toi. Mais tu vas où, Arda? Il essaie d'arriver, je crois. Pourquoi tu bouges pelle en plus? Bouge ton bonhomme. Parce que à chaque fois, je me plante. Ah. Ce qui est bien, c'est surtout que là, un qui monte, l'autre qui descend. Bon, allez, moi je fais la. Y'a. Bon, allez. Coffre loup. Oh, y'a plein de trucs là. C'est combien? Ah, faut faire 15 quand même à trouver. Je vais mettre le stuff de crochetage. Après, Gaiden, c'est tout. Si tu te viandes, je. Non, mais comme ça au moins. Parce que tu vois, bah je me suis loupé, tu vois. Hein? Quoi? Même avec Gaiden. Voilà, c'est non, mais je pense que j'ai des trucs pour toi quelque part. Ouais, là-bas, tiens, hop. Ah oui, on a récupéré. Je t'envoie un truc, Katox. Je sais pas si ça peut t'intéresser. C'est une armure moyenne. Ah non, tu peux pas les porter, toi, les armures moyennes. Non, moi, je fais que du léger. Ah, damn it. Tiens, Arda, je viens te filer une page, tu peux la lire. Louis Wallolf. Ok. Bon bah voilà. C'est bon? Faut remonter maintenant ou c'est fait? C'est. Il y a encore un truc là. Il y a une compo. Il y a une compo. Should mind my step. Ah oui. Qu'est-ce que. Il y a des pièges. Mais. Bah, toi, donc, tu les vois pas, les trucs? Bah, non, mais rien là. Voilà, on est bien d'accord. Non! Mais on est bien d'accord, c'est invisible là. Ouais, c'est un peu chiant. Attention, je tape. Y'a un truc de feu, ouais. T'as ouais, je tire dessus, mais à distance. Y'a un drop pétrifié. Attends, j'ai un truc pour dépétrifier les gens. J'ai droppé ça là, dans le coffre en bas. Vas-y, essaye. Après, t'as drop pétrifié, t'en as plusieurs, hein, t'en as plein. J'essaye sur lui là. Vas-y. C'est. Tu crois que je lui jette dessus? Ah non, je vais le mettre par terre, je vais taper. Ben voilà. Oula, mais ils sont 10 milliards. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec ça. Parce que nous, on devait trouver des drôles et les massacrer. Ah bah là, on a... En tout cas, j'ai la même armure qu'eux, donc j'ai un capital sympathique. Ah. Oula. Oh. Mais qu'il est mignon, un tyranneuil. Ah, je t'aime pas ça, les Beholders. Mais qu'il a de belles dents. Eh ben, on a un pote trop avec nous, du coup. Il est fort ou pas? Artimet. Il est fort comment? Il est un peu dur. Ah! Pardon? Enchanté. Ah ouais! Et en plus, c'est il bon. Nous a surpris. Et il va le push. Ah non, ça va. Et son tour il est infini ou quoi? Ah, mais c'est qui cette conne là-haut là? C'est Dourne. Mais c'est qui? Ah mais c'est pas la bonne femme qu'on est censé chercher. Si. Tu penses que c'est elle qui a invoqué le machin? Je sais pas, mais faut. Ah mais c'est bon, elle est. Attends, maintenant elle est avec nous. Oui, elle est plus charmée, c'est bon. Putain, elle a 16 PV. Mais elle va se faire ouvrir en 4. Alors moi je vous avoue, si jamais on peut m'aider, je suis tôt. Je ne te vois pas, je ne te vois pas, je suis dans le nuage, je ne te vois pas. Bon par contre, Artimez là, à un moment donné, attends, il faudrait le toucher le garçon en face. Je vais te... Bon, je vais... Bah attends, on va carrément faire ça. Je vais faire ça, je vais lui mettre une grosse malédiction sur la gueule.
Mais non, il y a une greater. Oh putain, il fallait que je choisisse ma malédiction, fichier. Vous avez une greater ou pas? Nope. Ardive, moi j'inspecte. Je sais pas, j'en ai plus. Faudra que tu te mettes sur la gauche de moi si jamais. Ah non, mais j'ai ça. Ah, mais j'ai pas trop envie d'utiliser comme ça. Alors, faut que tu précises ton plan pendant que Atemir parle. Je vais mettre une zone de silence, comme ça il va arrêter de nous balancer des merdes dans la tronche. Et moi, de toute façon, je vais monter beaucoup plus haut. Hein. Voilà, et ouais, mais avec la zone de darkness, je pense que tu pourras te mettre que là si jamais tu veux lui tirer dessus. Non, je vais me mettre en hauteur. Juste au-dessus. De toute façon, il va te faire ça, il va voler à travers tout et on va se retrouver con dans une zone de silence. Il est stun, il va plus bouger. Bah si il est silence, normalement il peut plus faire ses attaques. Il est stun, il est sur stun, donc il va pas bouger. Bien. Ça coûte du ki, mais au moins il se déplace plus. Il se déplace plus, il bouge plus, il fait plus rien. Alors résistant au tonnerre. Oui, parce que c'est silence. J'espère que ton sort il va pas se casser au milieu de. Yes, ça c'est bon. Elle veut pas casser sa concentration de ténèbres à l'autre là. Je vais essayer de le restun hein, si jamais. Du coup je fais pas très mal mais bon il fait rien. Ah si tu le stun après moi je pourrais lui taper dessus à l'arme lourde, normalement ça peut. C'est bon ça bah attendez avant de taper, je vais essayer de le stun. Ouais ouais. Ah c'est bon il est stun. Ouais, parce que je lui ai fait baisser sa réaction. Ce qui fait que je peux me barrer. GG. La zone de science aurait été inutile, j'ai gravé un spell pour rien. C'est une amulette qui donne des spells, si quelqu'un veut. Ah, ça c'est. Attends, on est en train de lui parler, ok. Bah, j'en vois. Ah, petit dialogue si ça vous intéresse. Rescue? Helpless babes are rescued. I allowed you to assist me. Ok, on va le buter. Ah, ok. First rank evoker. Moi, je suis prêt. Non, mais définitivement, on va le buter, hein, on est d'accord. On le tue? Attends. Moi je suis vraiment au bout. Quand vous dites la bagarre, je tire. Far, far longer than I realized. Then my enemies have already found the forge. Which bastard stole my glory? Zagrim? Philro? Je parlais de la forge de l'Amantium, mais elle est toujours cachée pour autant que je sache. Zagrim est mort, son cadavre est en train de pourrir dans un cercle de myconides. Philro a perdu raison, j'ai dû le tuer, mais les deux dernières sont bien. Truly? Excellent. He might actually serve some purpose feeding fungus. We were friends once. Three of us working together to find a lost wonder. Until the others grew jealous, began to guard pourquoi, their secrets. Right. By any chance, did you find anything of interest on dear Zagrim's corpse? Non. Je crains que non. c'est déjà critique. Je pense que je vais relancer le dé. Au pire, on les bute pas, de toute façon. On l'aurait tué. 17. En roleplay, ça fait non, pas du tout. Laisse-moi faire non, pas du tout. But he's out of the way, so small blessings, I suppose. Well, I have some business I am long overdue in completing, and I'm sure you have something to do. Pour la bagarre ou Attends.
Attendez, je vais prendre votre cristal en guise de remerciement. If only you had just a little less cheek. Ça va être la bagarre. I might have let you live. Ah, vous me dites, hein. Vous me dites quand vous... C'est la bagarre, ah, voilà. Pas eu le temps de faire la bagarre. Bah oui, bah en fait, ça s'est déclaré tout seul. Ah, trop bien. Bah, ne vous approchez pas du par contre, hein. Il va avoir une petite surprise. Du quoi ? De qui ? De Dourde. Ah oui, moi je suis juste à côté, hein, je te rappelle, donc fais gaffe à ce que tu fais. Il a ses SPV, tu veux pas faire ton truc sur les gars qui en a 24 qui est derrière toi, derrière lui ? Mais non, mais je veux juste l'envoyer vers l'infini et l'au-delà. Et on peut pas le loot, on est censé choper un loot qui est sur lui. Ah. Bien, on a fait un truc, je prendrai le cristal en guise de remerciement, là, fait que le mec a fait non, non, je vais vous buter. En sous-entendu, lootons-le. Après, je vais juste le faire exploser, hein. Je vais pas le balancer dans le vide. Ah, ok, en fait, vous en foutez complètement. Voilà, occupe-toi de celui qui est derrière. C'est réglé. En plus, je peux lui parler avec les mains. Il faudrait juste que tu te déguises. Allez. Ouais. Oh non, ça c'est sur moi. Tiens. Dégage. Allez. Les combats, mais c'est... Bah, ça vous dirait pas qu'on augmente la difficulté parce que vraiment j'ai l'impression qu'on leur roule dessus. Hein. Attends qu'on passe d'acte à mon avis. Regarde, là je viens de faire un échec critique. Bah, tiens, après, t'as vu que tu viens de le rater. Toi je sais pas mais moi j'arrête pas de crever hein. Moi perso. Je te rappelle que je me suis fait tout shot. Non mais les combats, regarde, les mecs, moi j'ai le temps de leur mettre genre une patate, vous leur roulez dessus à chaque fois donc. Bon, on défonce tous les autres drops pétrifiés, je prends ça pas envie. C'est pas mal ton truc là. Il a une amulette qui est peut-être bien pour toi. Jackie là, Jackie Joe. J'arrive. Lequel de Jackie toi, Joe donc, je pense. Souffle de foudre. Non, bah toi peut-être pas parce que t'as... Ah, si tu me diras, t'as des charges d'éclair, non? Ouais, mais le truc que j'ai il est mieux parce que ça me fait un projectile magique supplémentaire. T'as des charges d'éclair ou pas? Regarde. Non, j'en ai plus, je crois. Donc à chaque fois que vous trouvez des statues, vous les butez, c'est ça? Ouais. Bah alors, à la limite, si t'en veux pas, Arda, moi je la veux bien, parce que j'ai des charges d'éclair. S'il faut, je peux lancer un spell. Parce que c'est quoi la... J'ai pas regardé, c'est quoi votre truc? Ah, mais c'était classe. Ah, Lightning Blast. Ouais. C'est ça le truc moi vu que j'ai pas de charge d'éclair, effectivement, ça va pas me servir. Waouh, j'ai les yeux du spectateur aussi, rayon de terreur et rayon de blessure. Je vois pas ce que c'est en fait, truc. Focus électricité dans vos veines. C'est sympa ça. En gros, ouais, c'est quand tu lances des spells d'éclair et toi t'en as des spells d'éclair, genre Thunderwave, ça marche. Oui, non, mais j'ai pas que ça. Non, Thunderwave c'est du Thunder, c'est pas de l'éclair. Mais qui m'a rebalancé toutes ces merdes là? Ah bah le truc c'est votre prochain sort d'éclair. En vrai tu fais des dégâts du nombre de charges qu'il te reste. C'est pas ouf hein. Ouais. Enfin, moi je trouve pas dingue le objet. Est-ce que ça vous dérangerait de faire un t-shirt reste? Mais je vais faire celui du. Je vais chanter une chanson, regarde. Est-ce que short rest. Ah. Voilà. Et je pense qu'on va clôturer l'épisode là. Ben oui, ben exactement. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Des bisous. Un beholder, quoi.